La foi a du pouvoir. Tout est possible à celui qui croit. Insistez, ne désistez pas. Jésus l'a promis et vous allez vaincre. La foi a du pouvoir. Tout est possible à celui qui croit. Insistez, ne désistez pas. Jésus l'a promis et vous allez vaincre. Un nouveau jour arrive, une renaissance. Le peuple de Dieu se lève avec force et pouvoir pour vaincre. La foi et certitude et vision de la grandeur de notre Dieu. Prends Jésus et lumière qui a vaincu les ténèbres du mal. Dans le monde des tribulations, tant de persécutions. Et tout fut déjà décidé, tout fut vaincu sur la croix du Seigneur. Et rien ne va nous séparer de ce grand temps. La foi a du pouvoir, tout est possible à celui qui croit. Insistez, ne désistez pas, Jésus l'a promis et vous allez vaincre. La foi a du pouvoir, tout est possible à celui qui croit. Insistez, ne désistez pas, Jésus l'a promis et vous allez vaincre. Changer le passé, dire que Noé est mort noyé, que Jézabel a tué lui et David fut vaincu par Goliath, que Pharaon a détruit Israël et le lion a mangé Daniel. La foi intelligente comprend le passé et regarde en avant. Crois que le même Dieu va accomplir ce qu'il a promis. La foi a du pouvoir, tout est possible à celui qui croit. Insistez, ne désistez pas, Jésus l'a promis et vous allez vaincre. La foi a du pouvoir, tout est possible à celui qui croit. Insistez, ne désistez pas, Jésus l'a promis et vous allez vaincre. Si Dieu vous demande ce qui est possible, vous pouvez le faire sans son aide. S'il vous demande l'impossible pour participer, gardez-vous. Et peu importe ce qui va arriver, c'est lui et vous. Dans la foi, la foi a du pouvoir, tout est possible à celui qui croit. Insistez, ne désistez pas, Jésus l'a promis et vous allez vaincre. La foi a du pouvoir, tout est possible à celui qui croit.